Bonjour à tous, c'était Camon. On se retrouve pour Civilization 6, c'est l'épisode 16 avec Gilles Vianèche pour une victoire culturelle. Et avant d'entrer dans le jeu, dans le vif du sujet, je voudrais vous faire une petite annonce à vous en privé. J'ai eu la surprise d'avoir un abonné qui m'a trouvé sur Steam. C'était vachement dur. C'est mon pseudo, tout simplement, Técamon, donc il m'a demandé une invitation, et je ne l'ai pas accepté. C'est pas pour vous froisser, je vous explique ce que je vais faire après. C'est que vous êtes nombreux maintenant, ça commence à faire du monde, et si j'acceptais tout le monde, ce serait avec plaisir, mais je serais spammé de messages sans arrêt pour dire coucou, bisous, ça va et tout, et quel jeu, tu viens jouer avec moi, et je ne peux pas. Déjà pour jouer, quand je ne tourne pas, j'ai envie de jouer aussi à des trucs qui me plaisent bien à moi, tranquillement, et quand je tourne, je ne veux pas être dérangé quand je suis lancé... dans mon débit, quoi, tout simplement, ou dans un truc technique, que ce soit sur KSP ou autre chose. Donc, j'ai décidé de créer un groupe sur Steam, j'ai jamais fait, donc pitié, à la limite, on va voir ensemble quand on développe des trucs, développer le truc si ça vous intéresse. Donc, sur la bannière de YouTube de la chaîne, vous avez l'icône Steam, vous pouvez aller dessus, pour demander en invite, je vous accepterai, tout simplement, et on va développer peut-être des forums à précisation, ou KSP, ou selon les jeux, selon ce que veulent les gens. Et je fais ça aussi parce que, bon, vous avez bien vu, je joue avec Nice sur Civ 5. On va commencer un multi avec lui et son ami Drasil, toujours sur Civ 5 en multi. J'en parlais là sur un commentaire avec Gilles Weborn. Mais Civ 6, bah, ça me démange et je peux pas aller frapper à la porte de Learn to Play, même si j'adore ce qu'il fait et tout, je peux pas le déranger. Il joue déjà avec Yanamu, c'est son pote, c'est normal, c'est comme moi avec Nice. Donc, sur Civ 6, c'est vrai que ça serait super sympa d'avoir un ou deux camarades de jeu. Et donc, pourquoi pas chez vous, quoi, carrément. Le problème, c'est que je ne travaille pas... Enfin, je travaille, mais à l'envers de tout le monde, je travaille de nuit, pour être clair. Et je n'ai pas un rythme de vie facile avec la famille, tout ça. Donc j'aurai des matins, des après-midi, je ne sais pas quelles sont vos disponibilités. Ça serait sympa qu'on en parle tranquillement aussi sur le groupe Steam. Et comme ça, quand je me connecte, quand j'ai envie de tourner, ce que je verrai, ben, on fera des tests, on discutera, on fera un test micro, et si ça les motive, on fera des petites parties rapides, pourquoi pas... Et une partie que je penserais à faire en premier, peut-être pas des batailles comme ça, mais il y a une map de la Terre qui a été faite, que je trouve un peu moisie, c'est pas grave parce qu'elle est petite, on pourrait la tester. J'ai acheté le pack de la civilisation Pologne, 5€, je sais, mais je voulais quand même. Et j'ai eu la surprise de voir aujourd'hui, là on est le 3 février 2017, bah, le pack Aztec est installé. Alors est-ce que c'est parce que j'ai pris la Pologne, ou est-ce que c'est venu vers tout le monde enfin après un délai, nous avoir bien frustré, donc on a tous les peuples, quoi. Côté scénario, je prendrai pas les Vikings. Hein. Non, les scénarios, faut pareil. Bon, voilà, du blabla, tout ça pour vous dire que ça va et que, ben, venez donc sur le groupe Steam, on va essayer de voir tout ça. Et là, on va commencer pour de bon, je lance le chrono, c'est parti. Bon, on va commencer avec la religion. Non, même pas. Alors, voilà, donc Trajan, Trajan est pénible. On a une portée de 2 avec le campement. Il va falloir défendre la ville. Il va falloir défendre la ville. Bien. Bien. Si j'ai le canon qui est là, j'aimerais avancer ça. On peut. Est-ce qu'on peut avancer le mousquetaire, s'il vous plaît? Non. Ah bah, il vient juste de... D'accord. Très bien. Là, c'est bon. Là, j'ai un missionnaire. Bon, on va l'envoyer à Lagash, hein, parce que Lagash, c'est pas terrible. Mais je pense pas que ça marche. Je trouve pas que la foi fait remonter... à ce point. Et donc j'ai un mousquetaire qu'on va amener ici. C'est marrant, ça commence à construire des petites cahutes là, regardez ça, ça se développe. Côté activité, on va en développer plein. Là on avait fait de l'encens, ici on a des gyps si je me trompe pas. C'est pour voir un peu une population. Tout le monde est heureux. Bon, ça va. Alors on va pas faire la paix avec Trajan. L'objectif va être simple, c'est bousiller Rome. Et on va lui bouffer Raven et Cumae. Et récupérer plein de trucs culturels peut-être. Et on va lui laisser Puteoli et Luc de Nome. Pour l'instant ça m'intéresse pas trop, je pense pas. Enfin, on va le bousiller tranquillement, on va prendre cette partie de continent, ça c'est sûr. Alors, est-ce que je peux bouger un peu mieux mes troupes? Dans le cas où... non, je peux pas bouger. Le courageux d'Armolo non plus. L'arbalétrier non plus. Et toi, tu vas pas te reposer. Il faut que tu sois dans les frontières. Voilà, ça allait pas, ça. Hop. Bon, j'ai un colon qui va coloniser.
Est-ce que je fais la côte d'abord? Non, peut-être pas. On va peut-être près des carrières de pierre, tout ça. Ça a l'air pas mal ici. Pas trop loin de Hong Kong. Comme ça, je pourrais faire une ville peut-être au nord. Bof. Ah, il y a le salpêtre. 1, 2, 3. Ah, il y a le salpêtre. 1, 2, 3, 4. Ça me semble un peu compliqué. Et si je fais une ville ici? 1, 2, 3. Son rayon. Et l'autre ville ici. Excusez-moi, petite ellipse téléphone. Bon, vive les démarchages téléphoniques! Heureusement qu'on a l'affichage téléphone, mais c'est pénible. Hein. J'avais vu aux infos l'autre jour, c'était 3 ou 4 fois par semaine. Non, non. C'est tous les jours vers midi. Vous voyez quelle heure il est exactement. J'ai 2-3 coups de fil automatiques, c'est assez pénible. Mais on reprend, on s'en fout. On est dans le jeu, je suis avec vous, donc je suis bien. Alors, j'ai bougé mes missionnaires. Lui, il m'a envoyé par contre là un missionnaire hindou, un apôtre. Et c'est vrai que j'aurais besoin d'un apôtre aussi, et c'était Éphèse qui me faisait un apôtre. Pourquoi d'ailleurs Éphèse me fait un apôtre? Pourquoi ma capitale ne me fait pas d'apôtre? Je me pose la question. Il faut 460. Ouais, pourquoi ici? Bon, j'ai la religion dominante, à Auruk aussi. Je devrais pouvoir faire un apôtre, non? Missionnaire. Il doit y avoir quelque chose qui manque. Est-ce que j'ai un lieu saint ici? Ah ouais, mais je ne l'ai pas amélioré. Production... 14 sur 13, ouf. Ouf, ouf, ouf. Là, il y a un gros problème. Et j'ai demandé quoi comme merveille? Le Mont-Saint-Michel. Punaise, mais c'est quoi mon délire, là? Mont-Saint-Michel, non. Non, il faut qu'on fasse quelque chose avant. Je sais pas pourquoi j'étais parti dessus. Le temple, tiens. Plus un point de prophète illustre, un emplacement pour Relix. Allez, fais-moi un emplacement pour Relix. Parce que si j'attaque Rome comme il faut, je vais manquer de place. Ouais. Ok. Bon, bah, on a bougé tous ces petits mondes-là. J'ai mon colon qui va se barrer par là-haut. Ce qui veut dire que je vais manquer d'arbalétrie encore, là. Peut-être que je vais le faire à Kish, le suivant. On va voir. Allez, montre-moi, Trajan, ce que tu prépares. Et là on tourne, je maintiens le clavier pour vous. L'Espagne commerce avec l'Amérique, donc ils ont fait la paix. La France commerce avec la Chine. Oh, oh le joli cadeau. Il a rapproché sa bombarde. Et Rome est juste à côté. Hein. Oh là là là. Alors, ah ben on va longer la côte aussi au Japon. Hein. On a trouvé Preslav. Ouais. Ah donc c'est carrément un pays côtier, le Japon serait peut-être pas trop compliqué à envahir mon avenue. D'accord. Ici. Ici je suis à 6, 38 tours. Mais comme je suis loin de la rivière et que je suis dans le désert, si je fais un aqueduc... Alors les villes dépourvues d'eau douce reçoivent un bonus de 6 habitations. Ah bah, banco. On discute même pas. Mais du coup, comme tu es 6 habitations, on veut pas développer plus, même si c'est les 38 tours. On va faire un focus. Production. Et dans 12 tours, on est bien. On a l'aqueduc et on aura 6 maisons de plus. On va monter à 12, ça va être énorme pour la RAC. Énorme. 3 constructions possibles. Ouais, vas-y. Productivité avant tout. Bon. Tiens, je peux faire quelque chose. Attaque possible après déplacement. Oh! Non, il peut pas là. Mince, j'ai fait une bêtise. J'aurais dû le faire après. Crotte de bique. Ah. Bon. Ouais, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Je peux mettre le canon. Non. Défaite mineure. Retranché jusqu'à guérison. Ici, on maintient à distance peut-être la paix. Je ne sais pas. Je me sens pas trop à l'abri par contre. Hein. J'aurais pas dû sortir mon fantassin. Je suis sûr que j'aurais pas dû le sortir. Bon, on verra ce qui se passe. Ah bah j'ai deux missionnaires qui se pointent. Ouais. Tiens, on va voir ce qui se passe. Plus 200. J'ai donné un bonus de 400 de colonialisme.
toujours un twist. Et on passe le tour. Alors. L'Amérique a dégagé une zone dans l'une de ses villes de Washington pour y construire une cité interdite. D'accord, le Japon construit un grenier et le canon s'est barré. Mince! J'ai loupé l'occasion de bousiller. Ah. C'est vraiment embêtant. Ça aurait été marrant là. Bon, il le sent, je suis en force. De tout ce que l'homme a créé, bien peu s'approche de ce qu'on peut voir dans la nature. Alex... On n'a pas encore de marine, mais par contre, on va peut-être voir l'arbre des technos. On a optimisé, d'accord, pour ça. Ce serait pas mal ça. 9 tours. Il faudrait que je bousille un chevalier pour optimiser la science militaire, ouais. Le dogme des lumières. Ouais, ouais, ouais. Bah, les lumières, justement, dans 8 tours. Ça doit être ça. Ça doit être complètement ça. Est-ce que je bloque pas loin de ma ville? Non. Non, on va plutôt développer en campagne. Il y a plein de champs, plein de collines là, plutôt. Ça, c'est bon. Allez, on va se promener. Sendai. Allez, gâteau. Bon, mousquetaire. Est-ce que je peux le bouger? Est-ce que j'ose un pari débile? Ah ouais, non, mais il peut pas. Il peut pas. J'ai vraiment envie d'être bourrin. Vous imaginez pas à quel point Rome, je suis à portée. J'ai un autre soldat dispo là parce que franchement, ça me démange grave quoi. Donc je le déplace, c'est bon. Je vais pouvoir bombarder la bombarde. On le lit ensemble pour l'instant, on verra après. Ce qui veut dire que l'autre bombarde doit bouger son cul aussi. Mince. Et toi en urgence ici. Si je laisse la ville comme ça sans défense, ça le fait pas. Hop. Défaite majeure. On va prendre cher. C'est un test. Bien essayer quand même. Isine, tu es comment? 3 sur 4, il te reste 4 actions. J'aimerais bien faire des champs, moi. Oh, je suis bête, j'ai pas fait le gyps. Je suis sûr que j'ai pas été faire le gyps, non. Ah, reviens. Ah, bah ça marche quand même. Allez. On est rendu à 800 de colonialisme. Je suis en train de compter pour m'habituer. Alors, l'ardent Gilou le Borgne, eh ben, il va falloir y aller, hein. Qui va mourir? J'ai peur pour mon chevalier, quand même. Ah, il y en a un qui est ici. Mince. Plein de choses, là. Allez, tu bombardes, c'est normal. Et non, il attaque pas. Il va dans le camp. D'accord. Alors on est sur des champs, je retiens le commentaire, il suffit de piller des champs et on se régène. S'il meurt pas mon chevalier, tu vas piller. Ah tiens, faire la paix. Du raisin, d'accord, de l'argent, faire la paix. Non. Non. Non, non, attends que tu vas voir que je prenne ta capitale, toi. Qu'on rigole un peu. C'est une méthode culturelle comme une autre, hein. Je suis en train de me dire si je pille les trucs chez les voisins. Ça doit marcher. Ah punaise. Pauvre chevalier qui a fait diversion là. Bon. Là j'ai pillé. Ah ouais, il est bien revenu. Il est vraiment bien revenu. Ici. Si je pille, ça marche aussi. Et là ça passe le tour. D'accord, c'est pas bon là.
la bombarde bombarde. Très clairement. Il m'embête. Et elle ne peut pas bombarder. Bon. Ouais. Quitte la formation Discord, va dessus. Allez, non tu veux pas. On a un bâtisseur de dispo. Très bien. Je ne veux pas faire tout de suite. Par contre, on va faire productivité à quiche aussi. On va pas s'emballer. Bon, ce canon, il veut pas tirer. Retranche-toi. Défaite majeure, là. Tu rigoles. On se retranche. Puissance défensive plus 7 contre les unités d'attaque à distance. Très bien. Uruk. Ma capitale. Là, il faut que je me bouge un truc. En par médiévaux. Oui, bon, je sais. Mais j'ai pas trop le temps pour ça pour l'instant. Ah bah j'en fais encore un arbre à l'étrier, tiens. Our a produit quelque chose, je ne sais plus ce que c'est non plus. Remparts médiévaux. Bâtisseur. On va faire une autre bombarde. Je vais faire un lieu saint aussi. Ah, j'ai trop de choses à faire. Faut que je me décide. Et un campement. Il n'y a pas de bonus pour les campements, tiens. Y a pas de bonus. Mais ici, ce serait pas du luxe. On fait un campement ici. Pour protéger la frontière avec l'Espagne. Au cas où. C'est pas indispensable, peut-être, mais. L'éclaireur. Déplacement accéléré, bois, forêt, colline, allez, c'est pas grave, on passe le tour. Quiche! Eh ben, je voudrais de l'argent. Donc, clairement, oui. Plus 2 ici. Allez, on dépense des sous. Il va falloir qu'on fasse tout ce qu'on peut. Alors. Bon. Là, on est en majorité. Là, on est majorité. On va t'envoyer à Eridu. Eridu, ça va pas. Et lui, il me reste encore une propagation. Clac. Il faut 460, j'en suis loin. Est-ce que je peux faire quelque chose ici? Tiens, tu vas te rendre utile. Tu vas faire un lieu saint en 56 tours? Non. Non. Mycène qui ne sert à rien. On va la laisser comme ça, c'est pas grave. On s'en fiche un peu. Alors, Churupak. Churupak, j'aimerais bien des remparts. Voilà. Et ici, on a l'arbaletrier, très bien. Bon, ça c'est cool. On passe le tour, les amis. Passe le tour, on est positif à peu près partout. Et c'est ici que ça va être intéressant. Ouf. Je prends moins de dégâts. Mais il a fait un mousquetaire, le bougre. Ah! Et voilà. D'accord. Donc là, il va me l'avoir. Tiens, il a pas envoyé son chevalier? Il va venir, il va contourner sur moi. D'accord. Il va falloir que je pille ce campement. Je rentre dans le mou, moi. Je me dis que ça. Là, ça va pas du tout. Bon, lui, il doit passer la rivière, de toute façon. Je suis en train d'afficher en même temps mes mouvements stratégiques. Allez.
qu'on y revienne. Toi, t'es guéri. Tant mieux. On a deux bombardes. On y va gaiement. Tu te fiches de moi là quand même, non? J'ai pas réussi à l'avoir. Oh, le campement est costaud, hein. Eridu, c'est fait. Eh ben, on sait quoi, on va aider un peu Mycène, peut-être. Peut-être. Ah bah, je l'ai perdu, tiens. On va le reprendre. On va le reprendre, voilà. Ah, mais il est têtu, lui, hein. Toi. Toi, venir avec moi. Ah oui, c'est ici. Oh là là. Transférer vers notre ville. Est-ce que tu peux aider un peu Mycène de la production? Ça serait super sympa. Ok. On est à 369 de foi, Éphèse. Est-ce que tu peux m'acheter quelque chose? Non, bah non. Costaud Rome quand même. Costaud, costaud, dans le sens où je voudrais mettre mon arbalétrier en position. Très bien. Très bien. Oui, je peux pas le sortir de là pour l'instant. On va faire un glissement de troupes, hein, je pense. Ah, il est à deux doigts de craquer. Hein. Je sais pas, j'ai encore beaucoup de points de mouvement. Ah, mais il est loin, je l'aurais pas. On passe le tour. Il peut me faire mal. Il y a l'arbalétrier. Arbalétrier encore. J'ai rien à dire, hein. Vas-y, continue. Donc il va focus sur mon militaire. Non, bombarde. Oh merci. Faut pas qu'il me détruise. Punaise. La preuve qu'il me faut une troisième bombarde d'urgence. Ouais. Là je suis curieux. C'est bon, il a assez tapé. Oh yeah. Très clairement, faut que je te mette à l'abri. Bon. Et on a trouvé Lyon. Donc il faut de la production. Plus 3. Nos villes à nous, c'est plus 3. C'est vite, 10 pièces d'or. Bon, plus 7 Los Angeles. Ah, c'est cool. Ah, en production. Bon bah ce sera avec Uruk, hein. Je sais pas si on va voir tout de suite l'effet. 36. Ouais, c'est un poil mieux. Je vais sauter à 20 pièces d'or par contre. On va mettre le canon à l'abri. Allez, pas de the best. Repose-toi. Ah attends, je me suis déplacé. Est-ce que je peux attaquer? Non, par contre, lui, il peut. Il peut, hein. Ah, il peut. Voilà. Quant à toi. Non, on va pas créer la formation. La troupe a besoin de se reposer. Je la ramène là. Et nous, une bombarde en moins. Production minière, c'était pour ça, oui, je suis d'accord. On forme la formation. On peut pas avancer plus par contre. Là, je suis sur quoi? Une ferme? Oh! Merci. Ok.
Ok. Le radieux Diétéo, est-ce que tu peux attaquer? Ah, t'as pas gagné par contre. Là. Très bien. Productivité, on avait dit oui. Là, c'est fait. Fais-moi des champs agricoles, tiens. Ah, mais attends, j'ai encore autre chose là. Du coton. Et toi, le divin riche cool, tu peux plus bouger pour l'instant, donc ben, retranche-toi. Ouais. Je crois qu'il me reste plus qu'un tour ou deux, ça va être chaud pour attraper Rome. Et il m'a quand même un peu abîmé. J'ai perdu mon chevalier, je crois. Hein. Je le vois plus, ouais, j'ai dû le perdre. Tiens. J'avais un arbalétrier prévu, c'est bon. Et Rome me bombarde gaiement. Vas-y, non mais je vais rien te dire, tiens. Ah, tu veux faire la paix, crâne de Saint-Aubert, l'art de la guerre. Raven. Non. Bon bah écoute, pour l'instant c'est mendier. Hein. Moi je veux plein de cadeaux. Rome, apôtre. Je pouvais lui détruire celui-là. En fait, ce camp est un gros problème pour moi. Il faut que je détruise le camp d'abord. Je suis à portée de Rome. L'économie violente sont l'urbanisation, l'industrialisation. Ouais. Ça, c'est bien. Alors. Il me reste une construction possible ici. Oh, c'est quoi celui-là? Attends, je peux pas le détruire ce chacal? Pinaise, j'ai pas une troupe dans le coin. Ça me démange. Mais alors. On va refaire une autre mine. Bon, on sait ce qu'on doit faire. D'abord le camp. La bombarde doit faire du dégât pas mal, là. Victoire majeure. On va peut-être le bouger un peu. Intelligent ce que j'ai fait. Voilà, on remonte. Toi, tu te retranches. Ouais. Bon. Là, il y a un problème, c'est lui. En même temps, si je bousille son impôt, je serai content. Je suis tenté de faire des bêtises. On va l'abîmer un peu. On va l'abîmer. J'ai peur de perdre une unité, c'est pas intelligent. Défaite majeure. Ah, évidemment. De toute façon, faut bien forcer un peu. Hein. On va y arriver. Donc, je suis à Kish et mon colon. Mon colon avance loin. C'est bon. Alors, 2 de production. Bon, je voudrais pas bloquer au cas où. Ça serait bien de faire une ferme à Lagash. Aider un petit peu. Et ce sera le dernier tour, les amis. J'ai discuté un petit peu avec vous au début de partie. Mais là, j'arrive dans les délais vraiment. C'est marrant, des apôtres japonais. Allez! Ouf! Fait mal hein. Le radieux des Théo, faut pas que tu meurs. Ah, il a régénéré son arbalétrier. Saloperie. Plus 50. Si j'arrive à faire sauter son camp. Ah, punaise. Ouais.
On va voir ça. Alors, ça régène. Est-ce que c'est mauvais ou bon pour moi? J'ai plus rien envie de te mettre en automatique maintenant, toi. Allez, on a vu où était le Japon. On va te promener. Dernière production possible. Il n'y a pas un truc indispensable à faire? Non. Éphèse. De la science au-dessus. Non. Voilà, une autre mine. Ça va. Ça va pas du tout. Un point. Hop, on va déplacer gentiment. Le bélier, on va le mettre ici. Est-ce que je peux te faire un départ catastrophique? Vas-tu crever, sale bête, tiens. Bon. Donc, évidemment. Est-ce que le camp va tomber? Non, toujours pas. Ah, c'est bien. Là, c'est moins bien, par contre, parce que je suis dans la panade. On a rayé le camp. Hop, à l'abri d'unité. Ça change complètement, là. Donc, je suis à portée de Rome pour ce mousquetaire-là, celui-là, qui a abîmé aussi, quand même pas mal. Ouf, c'est Gilou, le borgne. Mince. Il faudrait presque que je fasse diversion, là. Eh ben, on va bouger les troupes. Ok, alors est-ce que Gilou le Borgne va survivre au prochain épisode? On le saura. Je vous dis en tout cas bon jeu à tous, j'arrête là. Merci de lâcher un like, un pouce bleu, comme je les aime, un commentaire. Je réponds, vous le savez. Et moi je vous souhaite une bonne partie à vous dans Civilization 6. Bye bye, c'était TKMON.